on va donc configurer avant toute chose GetRéponse. GetRéponse, donc autorépondeur. Donc vous avez créé votre compte. En fait, une fois que vous avez fini, il faut que vous vérifiez votre adresse mail qui est ici. Donc je vais aller chercher mon adresse mail. Hop. Voilà, j'ai reçu donc GetRéponse activate your account. Donc je clique dessus et j'ai l'activation de mon compte qui va apparaître. Voilà. Je vais donc aller maintenant, donc Philippe, détail du compte, adresse mail, etc. On voit que mon adresse mail, c'est, on va la mettre là, Philippe, pdu@fildev.fr. Je pourrais ajouter une nouvelle adresse, on verra l'intérêt de ce genre de choses, mais un autre jour. Donc là maintenant, je vais aller sur tableau de bord. Et sur tableau de bord, j'ai trois petits pavés, ajouter des contacts, créer un formulaire web, créer une newsletter, et puis votre essai gratuit, expérience en 30 jours, mettre à niveau, ça c'est pour payer votre autorépondeur. Une chose qui est toujours très importante, c'est cette partie-là, qui est votre campagne actuelle. Donc votre campagne actuelle aujourd'hui, j'ai que la partie PDU. Alors, il me met une petite chose parce qu'ici en bas à droite, j'ai choisissé votre langue. Alors je vais afficher l'original parce que sinon ça va me mettre le souk. Et je vais afficher votre langage. Je vais choisir la France. Voilà. Donc j'ai plus de soucis de ce côté-là. Je vais déskyper parce que sinon je vais passer. Hop, voilà. Alors donc je suis sur le tableau de bord, le panneau pardon de GetRéponse. La première des choses que je vais faire, c'est créer une campagne. Donc je vais créer une campagne. Quel est le but du jeu? Le but du jeu, c'est d'arriver à inviter des gens à une campagne. Ok, donc je vais l'appeler invitation. On va l'appeler invitation conférence. Invitation conférence. Et on va mettre M pour mardi. Créer une nouvelle campagne. Donc j'ai une campagne qui s'appelle invitation conférence mardi. On va aller tout de suite voir les paramètres de cette campagne. Les paramètres de cette campagne, c'est quoi? La première des choses, c'est de savoir en quelle langue elle va être. Elle va être en français, c'est parfait. Adresse email de la campagne, je vous en parlerai pas, c'est qu'en fait on peut carrément s'inscrire en envoyant une adresse email, donc je vous dis pas. Notification on. Donc on ouvert, donc ce qui veut dire quoi? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire sur cette campagne, je vais recevoir une information à l'adresse mail que j'ai donnée, donc pdu@fildev.fr. Oui, non, rien de plus. Adresse postale, oui ou non, c'est-à-dire vous mettez votre adresse ou vous ne mettez pas. Je vais vous conseiller de la mettre sur nom au départ, ça évitera des petits problèmes dont je parlerai. Donc voilà, ok, jusque là, le profil de cette campagne, alors c'est quoi? On peut l'appeler, si on veut la retenir, on pourrait l'appeler nom de la campagne, invitation. On va voir que c'est une importance d'ailleurs de mettre ce genre de choses, vous verrez pourquoi. Invitation à la conférence, alors je vous invite surtout ne pas faire de faute d'orthographe parce que les gens vont le lire. Invitation à la conférence de mardi prochain. 20h30. Catégorie, vous le mettez ou le mettez pas. Alors pardon, vous enregistrez. Catégorie, vous le mettez ou le mettez pas. C'est purement pour GetRéponse. Vous enregistrez. Vous entrez le descriptif de votre campagne. Ça a également une importance. Merci. Vous êtes maintenant enregistré. Oh là là, enregistré à la conférence de mardi soir 20h30. Point. Les éléments de lieu et de login vous seront communiqués mardi dans la journée. Oh pardon, dans la journée. Vous enregistrez, vous verrez l'intérêt de ce genre de choses tout à l'heure. Le flux RSS, on s'en fout. Page de confirmation, la page que votre abonné a après avoir confirmé son inscription.
Donc la page qu'il va voir aujourd'hui, c'est celle-là. Votre amendement a été confirmé au 13. Merci, vous êtes enregistré à la conférence de mardi soir 20h30. Les éléments et lieu, de lieu et de logging vous seront communiqués mardi dans la journée. Point. C'est donc ce qu'on vient de mettre au niveau de ce renseignement-là. Alors je vais modifier un tout petit peu, ce qui me manque un point dans la journée. Point. Voilà, enregistré. Il y a un certain nombre de caractères, mais je ne les ai plus en tête. Ensuite, autorisation. Autorisation, c'est important de savoir si on fait ce qu'on appelle du double opt-in ou du simple opt-in. Le simple opt-in, ça veut dire que vous ne vérifiez pas l'adresse mail de la personne qui a été mise dans votre formulaire. Le double opt-in, c'est que vous lui demandez une confirmation. Je vais vous inviter sur l'invitation à une conférence, de toute façon, de faire du double opt-in. C'est un petit peu chargé comme structure, mais par contre, les gens qui le font sont réellement des gens qui vont être intéressés, puis vous êtes sûr que l'adresse mail également est bonne. Donc, vous allez laisser l'adresse mail que vous avez mis, ou vous pourriez mettre une autre adresse. Pour ça, il faudrait enrichir une autre adresse dans votre compte. Pdu@fildev.fr, c'est pas forcément très très bon d'ailleurs comme adresse mail. Là ici, vous allez choisir ce que vous avez demandé. Donc vous demandez une demande de confirmation. Vous voyez le message personnalisé. Donc vous allez mettre, par exemple, template 1. Vous allez faire une demande d'abonnement à une liste d'un 1 par 1. Liste. Add get réponse. Propriétaire de la liste. My name. Adresse courriel du propriétaire. Vous allez demander une confirmation dans le but de vérifier. Alors vous pouvez choisir tout un tas de. Donc le défaut, c'est celui-là. Le 2, ce serait celui-là. C'est celui qui passe un peu partout. Donc vous enregistrez le template 2. OK. Et puis la page de confirmation est hébergée par GetReponse. Vous pourriez aussi avoir une URL personnalisée, mais on n'en parlera pas dans ce chose-là. Et voilà, votre campagne, elle est configurée. Une fois que votre campagne est configurée, vous allez à un panneau. Et là, il va vous falloir un formulaire. Un formulaire, c'est quoi? C'est là où vous allez trouver l'adresse mail et le nom de la personne qu'il va falloir qu'il remplisse pour venir s'inscrire dans la campagne. Liste des formulaires. Donc, on n'en a pas. C'est logique. Donc, vous allez faire formulaire, créer nouveau. Hein, je vous ai bien dit que j'avais pris un autorépondeur complètement vierge. Donc, je vais créer un nouveau formulaire. Alors, vous avez chez GuestReponse une totalité de formulaires. Alors, bien vérifier que vous êtes dans la campagne invitation conférence. D'ailleurs, il y a une petite erreur, il y a conférence, c'est pas trop grave en soi. Donc vous allez chercher un formulaire à intégrer dans une page de capture. Page de capture que nous allons faire juste après. Donc bah, écoutez, vous choisissez celui que vous voulez. Vous allez parler quand même un peu d'argent, vous allez parler de choses où les gens vont gagner leur vie. Donc essayez de choisir quelque chose qui soit représentatif de ce genre de choses. Vous allez parler des métiers sur Internet. Probablement. Donc allez, on va choisir ce genre de choses. Donc vous choisissez vos couleurs, il n'y a pas le choix. Hein, c'est toujours blanc et rouge, donc blanc et rouge. Bon, ben, allez, on va appliquer ça. Et là, on voit ce formulaire, donc on peut l'agrandir un petit peu si besoin est, ce qui est peut-être pas plus mal. Donc le nom, le courriel. Alors comment ça se goupille? Ici, vous avez des tas de choses. En tête, note de bas de page, nom, guichet, captcha, confidentialité, power by. Imaginons que je clique, alors là on ne le voit pas en plus parce qu'il doit être en blanc. Il doit être en blanc quelque part. En fait, vous voyez une petite info qui dit que ce formulaire a été créé par GetReponse. Confidentialité, à mettre, nous respectons votre vie privée. C'est simplement un engagement que vous prenez avec les gens de ne pas communiquer leur adresse mail. Le CAPTCHA, c'est pour vérifier, c'est en fait du texte transformé en dessin qui permet de vérifier que ce n'est pas un robot qui remplit le formulaire. Donc on va l'enlever, je vous fais ça simplement à but didactique pour vous apprendre. Le guichet, c'est le nombre de personnes qui sont inscrites sur ce formulaire où vous le mettez. Alors, c'est bien de le mettre, c'est pas bien de le mettre, ça sera à vous de juger. Et à un moment donné, je vous inviterai à le mettre, pardon, quand vous aurez déjà quelques inscrits. Le nom, c'est ce champ-là, donc je ne vais pas l'enlever. Le note de bas de page, c'est tout le schéma qui est en dessous. Donc soit je le mets en cliquant dessus, soit je l'enlève en cliquant dessus. Et l'en-tête, soit je la mets, soit je ne la mets pas. Là, je vais en mettre une. Donc j'ai simplement cliqué sur « En tête » et je vais aller éditer ce qu'on appelle l'en-tête, donc le header, et je vais mettre « Invitation à la conférence ». Appliquer, et voilà. Donc j'ai mon texte, « Invitation à la conférence », je vais leur demander le nom, je vais leur demander le courriel, je vais les inciter à s'inscrire en mettant « Inscrivez-vous ». J'ai choisi un logo qui vaut ce qu'il vaut, je pourrais l'enlever ou le laisser, c'est pas le problème. Si je décide de l'enlever, Si je décide de l'enlever, je l'enlève. Hein, et donc j'aurai ça comme formulaire.
À l'extrémité, si on fait une page de capture un peu dynamique, c'est peut-être plus intéressant de laisser dans cet esprit-là votre formulaire. Alors, on va le laisser comme ça. Étape suivante. Donc là, on va mettre formulaire non, on va pas mettre invite, on va mettre capture Wix. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après, on fera une page de capture sous Wix. Capture Wix, opt-in confirmé, on a vu tout à l'heure que c'était dans la gestion de la campagne, donc on est bon. Abonnement par Facebook, on ne le met pas. C'est qu'en fait, vous pourriez, en cliquant ce bouton-là, avoir tous les paramètres de Facebook de la personne pour que les chances s'incrémentent tout seul. Donc ça, vous ne le mettez pas. Page merci par défaut, oui, vous la laissez ici. Et puis vous faites étape suivante. Et là, vous avez une information importante. Soit vous publiez votre formulaire sur web, soit votre designer web installera votre formulaire sur web, soit c'est GetResponse qui hébergera votre formulaire web. Et là, vous avez deux choix. Montrer comme JavaScript ou monter le code HTML. JavaScript, c'est un langage de programmation. Et le HTML, c'est l'Hypertext Markup Language, c'est le langage avec lequel on fait, on va dire, des sites basiques. Alors aujourd'hui, on en est à l'HTML5. Donc, on va laisser ça en stand-by. On va laisser ça en stand-by. Ou non, on va le copier. On va le copier, on va prendre un petit traitement de texte, un bloc-notes, et on va copier. On va copier, en fait, cette formule magique qui va nous permettre de rajouter le formulaire que nous venons de faire à une page HTML. Et puis on continue, point la ligne. Donc on a bien aujourd'hui Capture UX, invitation à une conférence, un formulaire qui a le script qu'on a pris tout à l'heure. Une fois que cette chose est faite, on va maintenant intégrer ce formulaire dans un site. Et pour ça, je vais vous conseiller de prendre Wix. Alors Wix, c'est fr.wix.com, créez votre superbe site gratuitement, etc. Donc vous allez cliquer, une fois que vous êtes là, sur connexion inscription. Et puis vous allez créer un nouveau compte. Bon, moi, il se trouve que j'ai déjà un compte Wix, donc je ne vais pas en recréer un. Mais sinon, vous créez un nouveau compte. Je rentre mon mot de passe et je fais go. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Wix, je crois qu'il y a une vérification d'adresse mail donc à faire, donc vous la ferez. On s'aperçoit ici que j'ai déjà un site qui s'appelle empower.wix.com/empower.fr. Je ne vais pas modifier ce site, je vais créer un nouveau site. Alors, comment on fait? Je descends un petit peu et ici, j'ai créé un nouveau site. Pour les gens qui créeraient leur compte aujourd'hui, il y aurait créer un site, un gros bouton en plein milieu. Pour moi, je vais créer un nouveau site. Donc ici, j'arrive à une feuille où on me demande de sélectionner un template. Alors un template, c'est quoi? C'est un thème déjà préétabli avec des photos et puis déjà des choses de fait. Pour moi, je vais faire un thème vierge. Donc je vais prendre un thème vierge et puis je vais prendre celui-là. Alors quelle est la particularité de cette page? Donc je vais prendre une page avec une en-tête, un bas de page et un centre. Donc je vais pas faire voir, je vais faire modifier et je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc que fait Wix en ce moment? Il est en train de télécharger la totalité de son éditeur HTML5. HTML5 étant la dernière version de ce qu'on peut trouver, en matière d'HTML. Donc vous avez ici des boîtes, une boîte de dialogue, page, design, ajouter, paramètres, application market, et vous avez ici aperçu, enregistré, publié, boosté. Donc on verra la totalité de ces boutons-là tout à l'heure. Alors, quel est le but? Le but du jeu, c'est de capturer l'adresse, donc d'intégrer le formulaire que nous avons fait tout à l'heure, dans une page de capture qui donne envie de venir à une conférence. On va faire une page de capture qui ressemble un petit peu à ça. Alors celle-là, je ne l'ai pas fait sous Wix, elle est faite avec des outils professionnels, mais ce qui n'est pas péjoratif ni frimeur. C'est que simplement, on n'arrivera pas à avoir la totalité de cette chose-là, parce que déjà, votre partie autorépondeur, enfin votre partie formulaire, ne sera pas en horizontale, mais sera en verticale. Mais on va essayer de respecter un petit peu le principe de cette page. Alors on voit qu'il y a un header qui est un peu gris, on voit ici qu'il y a quelque chose de marqué là, puis on voit qu'il y a un bas de page qui est un peu orange. Bon, donc on va essayer de s'inspirer un petit peu de ça. J'ai préparé, dès le départ, j'ai triché un peu, j'ai préparé, vous l'avez vu tout à l'heure, tous les textes sont déjà ici. Warning, cette offre va disparaître sous peu, etc., etc. Ok. Donc, on revient sous Wix et on va faire une première chose, c'est qu'on va mettre un design en arrière-plan. Et là, on va mettre simplement une couleur. Donc, on a vu que la couleur que j'avais mis ici est un espèce de gris pâle. Donc, on va prendre le même gris pâle. C'est pas forcément très très joli, mais enfin,
On va prendre un grip à l'eau, 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 un grip à l'eau. On va prendre ça. Elephant Walk. Voilà. Et on va fermer. Donc c'est un gris qui est un peu plus, un peu moins, qui est peut-être un peu plus foncé que ce que je pensais. On va taper là et on va le mettre un petit peu plus clairaut. Voilà. En fait, je personnalise ma couleur. Et là, ah, j'ai oublié de l'enregistrer. Ah oui, alors ne faites pas comme moi. Il faut bien mettre OK deux fois. Donc je vais le mettre un peu plus clair. Voilà, je vais faire OK et OK. Et OK. N'hésitez pas à faire OK plusieurs fois. Là, je vais le mettre un peu plus clair, mais je vais le laisser quand même un peu plus foncé que la partie que je viens de traiter. Donc, couleur de l'arrière-plan, enfin couleur, pardon, opacité de l'arrière-plan. Ah, il est un petit peu, je vais le foncer un tout petit poil. Voilà. Donc, il est à 44, je vais le retenir parce qu'on ne sait jamais. Et les bordures, je n'en mets aucune. Donc, hop, je mets ça comme ça. Et je fais OK. J'allais encore oublier de le faire. Et je fais OK. D'accord? Voilà où vous en êtes aujourd'hui. Donc maintenant, on va positionner. Donc on a vu ici qu'il y avait marqué Warning, cette œuvre va disparaître sous peu. Très bien. On va faire Warning, cette œuvre va disparaître sous peu. Donc je vais aller chercher le texte. Ça m'évite de le copier. Contrôle-copier. Pour ceux qui font des fautes d'orthographe, et ça m'arrive aussi, bien entendu, vous faites votre texte sous Word. Et une fois que vous avez fait votre texte sous Word, vous le corrigez et vous le copiez. Donc là, on va faire la même chose qu'il y avait là-bas, une espèce de cartouche. Donc j'ai fait plus et je vais aller dans Format ligne. Dans Format ligne, je vais choisir boîte. Et puis je vais fermer ça. Donc dans ma boîte, dès le départ, je vais la positionner, non pas sur la totalité de mon champ, mais sur une partie comme ça. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais rajouter quelque chose qui est une zone de texte. Et qui est une zone de texte en titre. Je ferme. Quand je viens dessus, vous voyez que ma croix. Ma souris change, donc là je suis en croix, je le prends, et il y a marqué joindre à la boîte. Parfait. Ça veut dire que quand je vais bouger la boîte, je vais bouger la totalité de mes deux de la boîte et de ce qu'il y a dedans. Donc maintenant je vais formater un petit peu ce texte. Donc je vais le sélectionner, je vais le mettre au centre. Donc pour aller au centre, ici j'ai à gauche, aligné à gauche, ici aligné à droite, ici justifié, ici au centre. Toc. Et à partir de ce moment-là, je vais le grossir un peu. Donc ici, on est en 24 points, je pense qu'on peut monter en 48. C'est un peu violent, on va le laisser en 36. Je vais le mettre en gras, je vais le mettre en italique, et je vais changer de couleur. Donc on a vu tout à l'heure que c'était une couleur, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, donc on ira voir, on va voir tout de suite. La couleur est noire. Noire d'ailleurs avec un espèce d'effet, avec un espèce d'effet 2D. Alors ben, on va faire la même chose. Donc on va réduire déjà cette grosseur parce que je l'ai mise beaucoup plus petite là-bas. Toc. Je vais sélectionner ce texte, l'effacer et coller. Merci. Warning, cette œuvre va disparaître sous peu. Je vais le mettre au centre. Je vais réduire à 16. Je vais donc réduire. Voilà. Et je vais. Quel est ça? Ouais, ça peut vous choquer ce qui se passe, mais c'est que simplement je suis en train de recaler ma chose au milieu. Voilà, je vais réduire cette boîte de dialogue. Je vais juste faire un petit cartouche dans lequel j'ai la position de mon texte dessus. Alors je vais le remonter un peu. Voilà. Donc quand je vais prendre ça, je vais le positionner là-haut. Et après, je vais changer de style la paramètre de la boîte. Je vais modifier le style. Je vais prendre un cartouche avec un peu d'ombre, celui-là, et je vais changer l'arrière-plan, et je vais mettre le même arrière-plan que celui que j'ai vu, c'est-à-dire un espèce de vert, qui est pas, voilà, un vert comme ça, ça n'a pas une grosse importance. Ok. Là, je vais modifier le texte, c'est-à-dire que ce texte est joli, mais je vais le mettre, pardon, je vais le sélectionner, je vais le mettre en bold, donc en gras. Et il est en noir, je vais le laisser en noir. On vient de faire quelque chose d'intéressant. On a vu tout à l'heure qu'on voulait faire un effet 2D. Alors comment on va faire un effet 2D sur ce texte? En fait, on va le copier.
Donc pour le copier, vous allez sélectionner, vous allez ici. Et puis vous allez coller en plein milieu de cette page ici. Vous allez laisser cette partie-là en noir comme ça. Vous allez retourner là. Vous allez double-cliquer. Vous allez sélectionner le noir. Et vous allez mettre en couleur blanche. Donc vous avez maintenant Warning, cette œuvre va disparaître sous peu en blanc. Vous allez prendre cette chose-là et avec vos flèches, vous allez monter le positionner dans la boîte de dialogue aussi, dans la boîte de cartouche. Et là, vous allez le mettre en plein milieu de l'autre. Donc là, plus rien ne se passe. Vous allez faire donc flèche de droite une fois, flèche d'en haut une fois. Et vous avez cette espèce d'effet 2D que vous recherchiez tout à l'heure. Le vert n'est pas le même, mais il veut dire warning, cette œuvre va disparaître sous peu. Vous avez ici warning, cette œuvre va disparaître sous peu. Votre cartouche peut vous paraître un peu grand, donc on peut le réduire un poil. Et puis votre en-tête, on va la remonter pour être le plus. Voilà. Donc, dans l'esprit, on a déjà respecté ce qu'on faisait dans la page d'avant. Le système le plus puissant, entièrement automatisé pour bâtir la vie dont vous rêvez. Parfait. Je prends ici le texte dont j'ai besoin, je fais CTRL copier, j'enlève ça, je vais donc aller ici ajouter, je vais ajouter une zone de texte, un titre, et je vais double-cliquer dedans, boum. Je vais le grossir, vous allez voir, tout est relativement simple, 48, pas autant pour lui, 48, je pense pas qu'il y soit, voilà, et là ça me fait un gros pâté, je vais aller étendre la totalité de la boîte ici. Alors 48, je serai un petit peu gros, donc je vais, pardon, je vais le laisser comme ça et je vais le descendre à 36, et je veux, en fait, je vous fais voir ce que j'ai mis ici, entièrement automatisé, le pour est derrière, donc je vais faire exactement la même chose, le pour est derrière, le pour est en dessous, pardon, donc je vais cliquer là et hop. Et là, je vais enlever, il y a un caractère de trou. Voilà. Je vais sélectionner ça. Je vais aller le mettre en plein milieu en utilisant ça. Je vais remonter ça parce que pour l'instant, boum. Et là, je vais le mettre en rouge. C'est un espèce de rouge, celui-là, qui est pas vilain. Voilà. Alors, comment j'ai ça là-bas? J'ai du gros caractère gras. Il y a une police qui n'est pas la même. Donc là, je peux m'amuser un petit peu à mettre ça un petit peu mieux, donc je vais le mettre en gras, oui, et puis la police que j'ai ici, je vais mettre une police un peu différente, je vais mettre une Taoma. Le système le plus puissant, entièrement automatisé pour bâtir la vie dont vous rêvez. Alors, même remarque que tout à l'heure, vous avez ici un espèce de relief. Eh bien, on va créer ce même effet relief, parce que c'est quand même assez joli. Donc, vous allez remonter ça. Ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que les éléments sont superposés, ils vont de l'arrière vers l'avant. Donc le nouvel élément que je vais mettre va être par-dessus le dernier que je viens de faire. Je m'explique. Je fais copier, et là je fais coller, de la même chose que tout à l'heure. Cet élément-là est en fait au-dessus, on le voit d'ailleurs, au-dessus le précédent. Donc comme je veux que ce soit le rouge qui soit au-dessus, je vais sélectionner celui-là qui est juste en dessous, et je vais le mettre en blanc. Je vais le mettre en blanc, toc, et là je vais donc prendre cette chose-là, et je vais la monter exactement de la même manière que ce que j'ai fait la première fois. Je vais le mettre, hop, et je vais faire un à droite, un en haut. Et là j'ai un très léger phénomène de relief. Alors je pourrais l'accentuer, hein. L'accentuer c'est simplement de monter un peu plus, c'est le décaler, ça c'est vous qui jouerez, mais je pense qu'un pixel de chaque côté est largement suffisant. Alors comment est faite ma page ici? On voit que ça c'était juste en dessous, tout en haut, très bien, donc on va redescendre cette partie-là, comme ça. On va sélectionner, alors là le problème c'est que je ne peux pas avoir les deux en même temps, donc on va sélectionner ça, et puis on va le positionner pour que tout se passe bien. Alors vous voyez, là, il vient de se passer un truc très marrant, c'est que comme j'ai mis le rouge en... Voilà, donc il faut mettre le blanc en premier pour qu'il soit en dessous. Alors, il y a d'autres techniques qui permettent de le faire, mais des fois, ça ne marche pas avec Quick, je vais vous le faire voir. C'est-à-dire qu'en fait, celui-là, je pourrais...
vouloir changer. Ah si, donc là ça passe. C'est-à-dire qu'avec ces boutons-là, je le mets devant ou derrière. Mais des fois ça ne marche pas. C'est pour ça que. Donc je veux le rouge en premier. Voilà. Le rouge au-dessus, je veux dire. Toc. Et je vais me mettre gentiment mon calage pour laisser. Donc là, je suis pas mal. Voilà. Un à droite, un en haut. Pouf. D'accord? Le système le plus puissant, etc. Alors on s'aperçoit également que je ne suis pas tout à fait bien calé ici. On va le décaler un peu à droite là. On va redescendre, c'est parce que je suis pas bien calé sur mes choses au départ. Voilà, on va le mettre un peu à droite ici. Voilà, et là on va le mettre exactement de la même manière. C'est pour qu'il soit centré en fait, mon texte, qu'il soit le plus centré possible. Voilà, et je vais remonter donc pour faire mon effet 2D tant désiré. 1 Ok, donc voilà aujourd'hui ce que j'ai. Qu'est-ce que j'avais ici? Ben, j'avais un truc à peu près pareil. C'est maintenant, les premiers sont toujours aux meilleures places. Avec une espèce de ligne au milieu, ben, on va mettre une ligne au milieu et on va essayer de faire un peu la même chose. On n'arrivera pas à avoir le même résultat, je vous rassure. Enfin, je ne vous rassure pas d'ailleurs. On n'arrivera pas à avoir le même résultat, ce qui est tout à fait logique. Alors, je voudrais simplement reprendre la main, voilà, ici, et remonter ça le plus possible. Donc, plus, on va ajouter une forme ligne. On va ajouter une ligne horizontale. Donc j'ai ma ligne horizontale. Je vais essayer de la mettre là. Je ne sais pas si ça va passer. Donc, je vais mettre ma ligne horizontale là. D'accord. Je peux la modifier. Donc je vais changer le style et je vais l'épaissir. Voilà. On va essayer de la mettre, qu'elle tienne la totalité de ce vide. Et là, je vais aller l'éclaircir. Là, et je vais faire OK, je vais faire OK, je vais faire OK. C'est un peu déroutant de faire OK 4 fois pour la même chose. Et là, je vais essayer de la monter. Voilà, elle ne va pas tenir mieux, donc je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça. Je vais par contre agrandir un tout petit peu. Pardon, je vais agrandir un tout petit peu mon header. Voilà. Et je vais mettre donc à ce niveau-là. C'est maintenant, les premiers sont toujours aux meilleures places. Je vais aller chercher mon texte. C'est maintenant, les premiers sont toujours aux meilleures places. Contrôle copier. Et je vais venir le coller là. Donc plus, ajouter texte. On s'en fout, paragraphe. Modifier texte. Pardon. Je vais copier mon texte ici. Je vais l'agrandir pour que tout aille dedans. Je vais me le mettre ici. Je vais réduire ça. Et je vais le prendre. Et je vais aller le mettre ici. Et je vais le mettre dedans. Les meilleurs, c'est maintenant, les meilleurs sont toujours aux premières places. Ça peut ne pas me plaire, donc je vais aller modifier un petit peu, pardon, pas les paramètres, modifier texte, qui revient au même. Je vais aller me mettre ça un petit peu en gras quand même. Alors, pardon, il faut que je sélectionne. Je vais aller me le mettre en gras. Et je vais aller me le mettre sur une couleur un peu plus criarde, parce que j'ai envie que ça se voit un peu plus. Donc je vais me prendre un truc peut-être un peu plus... Oh, je vais me prendre un jaune carrément, allez. Soyons pas avares de couleur. Hop, un jaune un peu doux, ok. Voilà. Pardon. C'est maintenant les premiers sont toujours aux meilleures places. Comment c'était ici? Ah, c'était un peu plus gros, on va faire un peu la même chose. Allez, on retourne. On va le choisir, ce texte. On va modifier le texte et on va grossir un peu, même s'il déborde sur l'autre, c'est pas le problème. On va le mettre en 16 points et on va agrandir un petit peu cette place là pour qu'il soit bien fait. Alors je fais là, c'est que la ligne en totalité ici, ce qui me donne forcément au centre de l'autre côté. Ensuite on va continuer. Ici j'ai tout un tas de choses, ça ne s'est jamais fait sur internet, vous voyez, pas à pas, etc. Donc on va mettre toutes ces petites croix là. Alors comment on fait? Pas très compliqué. Plus, ajouter une image. On va prendre des images de clip art uniquement, ce que j'étais en train de réfléchir. J'ai pas forcément d'image avec du fond. Donc, vous voyez, je pourrais prendre celle-là. Mais si je la prends, j'ai ici ce qu'on appelle un fond. Et mon fond n'est pas transparent et je pourrais pas le rendre transparent avec
avec du GIF et Wix en éditeur. Donc je vais rechanger cette image. Je vais aller chercher dans les gratuites de Wix. Je vais aller chercher dans les formes. Et je vais voir ce qu'il y a dans les formes qui pourrait me convenir. Je vais bien trouver quelque chose a priori dans les formes, une coche ou quelque chose de ce type. Il n'y a pas grand chose hein, dans Wix à ce niveau-là. C'est bizarre d'ailleurs. On va bien trouver quelque chose. Diamant, ça me plaît pas. Les dollars, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Bon, ben écoutez, s'il n'y a rien, on va en télécharger une. Si on n'y a rien, on va en télécharger. On va quand même descendre jusqu'en bas. C'est surprenant qu'il n'y ait pas de coche ou de choses comme ça. Ah, on arrive à des choses qui peuvent peut-être m'intéresser. Je vois des flèches. On continue, on descend. On continue. Ouais, par exemple, le checkmark 3D là est pas mal. On va voir s'il y a autre chose. On a vu le checkmark 3D qui fait une coche. Donc, bon, tout le reste c'est du noir et blanc. Donc, on va prendre le checkmark 3D. Hop, sur les clipart. Et là, comme il a un fond en PNG, donc il est transparent. Je vais positionner ma truc, voilà, et allons-y. Donc je vais faire quoi? Alors, je vais déjà aller voir si j'ai rien oublié. C'est maintenant, donc ok, donc on est bon. Et je vais positionner ça un certain nombre de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc je vais avoir 6 items de ce type-là. Donc je vais les prendre, je vais faire ici, copier, et puis je vais le copier, je vais le coller 7 fois. Je fais un clic droit et je colle. Je colle comme ça. Je pourrais également faire avec un raccourci clavier CTRL V. Hop, et je vais aligner ça au pif parce que j'ai pas le choix. Avec Wix, je n'ai pas la possibilité de prendre la totalité des éléments et de les aligner. Ou alors j'ai pas trouvé l'endroit où ça se faisait, ce qui est possible aussi. C'est un outil que je connais peu parce que je travaille pas avec ces outils-là, mais ils ont la particularité d'être gratuits, donc pour des gens qui démarrent, c'est pas plus mal. Donc je vais aligner ça un peu au pif, c'est-à-dire que je vais me mettre à chaque fois le rond sur la pointe de la coche. Hein. Donc voilà, je vais essayer de faire ça soigneusement. C'est important de faire des pages qui soient soignées parce que c'est votre image au départ. Il y a deux choses et deux éléments qui vont décider quelqu'un à vous suivre. La première, c'est la capture de la page. Et la deuxième, ça va être le message qu'il va recevoir. Alors des fois on voit des pages de capture très mal faites avec de très beaux messages, puis des fois on voit l'inverse. Alors vous voyez ma coche grise elle est jolie, mais par contre là sur mon blanc ça ressort pas. Donc je vais aller changer mon style. Je vais modifier le style de la page, je vais mettre un arrière-plan coloré. Je vais mettre plus de couleurs, je vais prendre un espèce de vert pâle que je vais en plus, pour bien embêter tout le monde, que je vais en plus. Je vais en fait avoir un blanc vert qui va me mettre en relief, qui va me refaire sortir un peu plus mes petites coches. D'accord? Et puis maintenant, je vais coller mon texte. Donc mon texte, c'est ça ne s'est jamais fait sur Internet. CTRL copier, j'ajoute du texte, je vais mettre un titre. Hop. Alors là, il me dit d'enregistrer mon travail. Vous ne faites pas ce que je viens de faire, vous l'enregistrez. Parce que si jamais vous avez un plantage, vous avez tout perdu. CTRL V, je vais toc. Et je vais réduire ce texte à une taille de 16, ce qui sera largement suffisant, voire même 14. 14, et je vais le mettre en gras. Toc. Et je vais prendre ce texte, et je vais aller le réduire un peu là, parce que je vais venir en fait en calage complet. Quand je dis en calage, c'est-à-dire que je ne peux plus descendre ici, et je vais aller coller le petit point, le petit rond, vous voyez, à peu près à la coche. Donc je suis obligé de m'aligner comme ça, parce que je n'ai pas le choix. Donc ensuite, je vais prendre... Vous êtes guidé pas à pas, CTRL copier, je vais ajouter du texte, oui, enfin c'est pas grave, que ce soit un paragraphe ou pas, c'est pas le problème. Je vais coller, je vais remonter au maximum, j'ai dit que j'étais en 14, donc je vais mettre du B, et logiquement j'ai la même chose que l'autre, et je vais aller me coller là. Alors j'ai l'impression que c'est pas le même truc. Je suis en Open Sans 14 points, et là je suis pas en Open Sans, je suis en Arial, et je veux de l'Open Sans. Open Sans 14B, voilà, et là j'ai la même police. C'est des erreurs à ne pas faire, voilà, et je me cale, pouf.
J'ai vraiment l'impression quand je regarde que c'est pas le même. J'ai l'impression que c'est pas le même noir surtout. Voilà. Ah pardon. Je le resélectionne. J'en ai oublié un bout. CTRL Z. Hop, CTRL Z. Ah bah tout a disparu, parfait. Non, ça va, j'ai retrouvé. Donc je vais faire CTRL X pour couper. Et je vais faire CTRL V pour coller. Je vais ressaisir la totalité de cette chose. Je vais le mettre en 14 points. Et je vais le mettre en noir parce que je pense que là il n'était pas en noir. Et il doit être en gras. Et voilà. Voilà. Maintenant les premiers uns, vous êtes guidés pas à pas. On est sur la bonne police. Donc on continue. Texte, on va mettre en titre. C'est plus facile parce que la police est déjà est la bonne. Je vais mettre automatisation totale de commercialisation. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est incroyable. Voilà, merci. Contrôle copier. Je vais donc aller ici, je vais donc sélectionner ma chose, je vais reprendre ma petite chose, je le mets en 14, je choisis une police qui est noire complète et je le mets en gras. Et j'ai dit que je calais ça au maximum. Voilà, et après je prends et je positionne comme tout à l'heure sur la pointe. Voilà, après je continue, je vais donc prendre droit de revente à 100% de commission, contrôle copier, je vais faire ajouter, je vais faire texte. Je vais faire titre, je vais double-cliquer sur mon titre, je vais coller mon texte, je vais le resélectionner, je vais le prendre en noir, je vais le mettre en 14 et je vais le mettre en gras. Ah pardon, j'ai oublié de redimensionner au maximum. Vous voyez, après je peux plus le... C'est simplement parce que quand je vais aller le caler avec le petit rond, pof, voilà, ça va être à peu près bon, peut-être un petit peu au-dessus. 3 de revente à 100%, je vais choisir le dernier. Trafic massif pour promouvoir ce que vous voulez. Je vais faire mon texte, ajouter texte, titre. Je suis un titre, je double-clique, je colle, je sélectionne. Là, j'ai un point qui ne m'intéresse pas, parce qu'en fait, j'aurais pu faire des listes, j'aurais pu faire des listes directement, mais je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, j'irai voir quand même, je ne suis pas convaincu qu'il y ait la possibilité d'insérer des images sous Wix à ce niveau-là. 14, et c'est de l'open. Sans, voilà. Pouf, et je prends cette chose là, je vais la mettre gentiment là bas et j'en ai un dernier à faire, pardon, des dizaines d'heures de vidéo. Donc je fais ajouter texte, titre, cette manip commence à vous être maintenant connue. CTRL V, je vais resélectionner mon texte, je vais le mettre en 14 points. Je vais le mettre en noir et je vais le grossir et je vais redimensionner ma petite chose. Alors on va faire un test que je n'ai pas fait, vous m'en excuserez. Je vous dis bien que Quick, c'est pas un outil que j'utilise tous les jours parce que j'ai des outils, on va dire, professionnels. Je vais simplement faire aujourd'hui une tentative de ça. Titre, pardon. Hop. Je vais mettre ça. Et je voudrais voir ce qui se passe. Si je peux... non, je peux pas sélectionner... non, je peux pas sélectionner. En fait, j'aurais pu sélectionner ces instruments-là, ces photos-là, pardon, ces clip-art-là au niveau de la liste, mais le logiciel ne le permet pas. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Alors, comment elle est ma page ici? Ah, ici, j'ai une photo machin, donc on va la mettre. Allez, photo. Donc, je vais faire plus, ajouter image. Image sans cadre, hop, et voilà, ma photo elle est là. Parfait. Ah, c'est pas celle-là que je veux. Alors je vais faire clic droit, changer l'image. Elle est ici parce que je l'ai téléchargée. Alors comment on fait pour la télécharger? C'est pas très compliqué, je vais la supprimer, vous allez comprendre. Celle-là, je vais la supprimer aussi parce que je m'en moque. Et en fait, je vais faire quoi? Télécharger l'image. Je vais aller la chercher sur mon ordinateur. Et je vais la télécharger. Donc je laisse le temps du téléchargement, je la sélectionne et je fais changer l'image. Et là j'ai mon image. Alors je suis un petit peu embêté parce que là ils sont toujours aux meilleures places. Et ben je vais simplement baisser un peu cette image pour conserver. Voilà. L'esprit devrait non pas être le même. Enfin l'esprit devrait être le même. Alors vous voyez qu'ici c'est plus décalé à gauche, ici c'est plus décalé à droite. Je peux pas me permettre de le faire avec Wix parce que sinon je vais déborder, quoique, allez, je
peux quand même gagner beaucoup, autant pour moi. Donc je vais tout décaler sur la droite. Je vais me mettre en... Voilà. Et basta. Donc je vous dis bien, l'alignement se fait au pif. Je fais ça par rapport au rond extérieur gauche. Il faut prendre du temps pour faire une belle page de capture. Parce que c'est vraiment important que ces pages soient belles. Si vous mettez une page qui n'est pas belle, vous allez quand même parler à des gens à qui vous proposez des automatisations, des choses qui vont leur apporter de l'argent. Si vous ne sentez pas un peu l'argent, je vois pas comment ils peuvent vous croire. Eux, ils vont peut-être vous croire, mais leur cerveau, c'est pas complètement sûr. Donc essayez de faire des choses qui soient belles. Je sais que ça prend du temps, mais c'est aussi un gage de réussite. Et là, j'ai positionné mon image. D'accord ? Donc voilà, bah, globalement, j'ai un petit peu l'esprit de ma page ici. Donc là, gagner sans limite tous les jours, toutes les nuits, je vais mettre cette chose-là aussi. Donc comment je vais faire ? Je vais aller chercher... Alors, je vais tout de suite mettre un cartouche, puisqu'on a vu qu'il y avait un cartouche dedans, donc Formelling, boîte. Par défaut, il me donne la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, donc ça me va bien, parce que je vais conserver un peu le même esprit. Hop, je vais monter ça. Alors pour l'instant, le positionnement n'a strictement aucune importance. Je vais donc prendre mon texte, gagner sans limite tous les jours, toutes les nuits, contrôle copier. Je vais ajouter ici une zone de texte en titre, donc qui est venue ici. Je vais le coller, contrôle V. Je vais essayer d'aligner ça. Alors, je vais sortir pour l'aligner un peu mieux. Pour que ça tienne, voilà. Bon, on s'aperçoit que mon cartouche ne va pas être tout à fait assez grand, donc je vais l'agrandir un peu. Toc. Là, je vais réduire au maximum de ce que je peux faire. Je vais sélectionner tout ça, je vais le mettre en noir et je vais le mettre en gras. Je vais le ragrandir un petit peu. Je vais réduire un tout petit peu la police de caractère parce que ça me paraissait un peu grand. Je vais ensuite réduire ça. Ah, il est joueur. Je vais ensuite réduire ça, je recommence. Et voilà, merci. Il est vraiment très joueur. On va sortir de là-dedans. Et on va... Voilà, on va... Non, il veut pas. Il veut pas en faire plus. A priori, c'est parce qu'il a... Il a un truc qui doit le gêner. Et je vois rien qui puisse le gêner. Donc je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se réduire. Eh bien, il est resté comme ça, c'est pas grave. Ah, il se réduit. Non, il redescend à chaque fois, bon, ça n'a pas d'importance. Je vais donc le prendre et le glisser dans la boîte dans le cartouche, pardon. Est-ce qu'on lui fait un effet de relief ou pas? Non, il n'est pas là, ben on va pas le mettre. Alors bâtissez votre avenir, construisez votre futur. Voilà une phrase intéressante, donc on va la mettre aussi. Bâtissez votre avenir, construisez votre futur. Toc, donc je vais le prendre. C'est en rouge, c'est en dessous dans le bon, donc on va faire la même chose. On va faire donc une zone de texte, ajouter une zone de texte, titre. On va descendre ce titre, on va double-cliquer dedans. On va le sélectionner, on va coller ce qu'on vient de mettre. On va l'agrandir pour avoir quelque chose de... Voilà. Alors si je veux vraiment le centrer sur la page, je le mettrai comme ça, mais... comme je vais le centrer par rapport à mon cartouche, hop, hop, je vais donc sélectionner ça. J'ai vu qu'il y avait un rouge. Alors vous allez voir qu'il va me proposer mon dernier rouge par défaut. Toc, celui-là. Je vais le mettre en gras. Je vais agrandir un tout petit peu ça. Et voilà. Et là, je vais aller le positionner pour qu'il soit à peu près au milieu. Donc je fais ça au pif parce que j'ai pas bien le choix avec Wix. Et je vais refermer ça, voilà. Gagner sans limite tous les jours, toutes les nuits, bâtissez votre avenir, construisez votre futur, parfait, donc je suis où là? Être riche, c'est un style de vie, rien d'autre, bon, ben je vais faire la même chose, donc allons-y. Donc je reviens dans X, je reprends cette chose-là, je vais la copier, et je vais aller là, je vais la coller. Hop, elle est partie ici, donc j'en ai une comme ça ici, et donc je vais aller chercher mon texte est ici, être riche, c'est un style de vie, rien d'autre. Contrôle copier. Je vais prendre ajouter du texte, titre.
je vais le descendre, je vais double-cliquer dessus, je vais coller mon texte. C'est un style de vie, rien d'autre. Comment je l'ai positionné là-bas? C'est un style de vie, rien d'autre, parfait. Donc je vais réduire par contre la totalité de ce texte. Je vais le mettre en. Je vais le laisser à cette. Je vais le mettre en 14 ou en 15. C'est un style de vie, virgule, rien d'autre. Je vais prendre. Je vais sortir de là, je vais prendre ce texte et je vais le mettre ici. Et je vais réduire ce genre de choses. Pardon. Comment je l'ai mis ici? Ben, je l'ai mis pareil. C'est pas la même police, mais enfin c'est pas le problème. Hein. Trustile, c'est un. Alors il y a un truc qui me chagrine, c'est que je ne l'ai pas en noir complet, il est en gris. Donc je vais le mettre quand même en noir profond. Voilà. Être riche, c'est un style de vie, rien d'autre. Je vais donc recopier. Toc, et je vais aller le coller quelque part, il va sortir n'importe où, boum, et je vais le prendre. Alors là, faut que je fasse attention, j'essaye de me caler là, donc on voit que je suis un petit peu trop bas. Voilà. Je vais aller chercher mon deuxième texte, qui est toujours dans mon bloc-notes tout à l'heure, contrôle-copier. Je vais prendre le texte, ajouter du texte en titre. Je vais prendre ce texte, je vais le mettre là, je vais double-cliquer dessus, je vais coller. Je vais le resélectionner, je vais le descendre en 14 points, je vais le mettre en noir profond. Je fais la même chose que ce que je viens de faire. Dans 7 mois, vous serez content de l'avoir fait. Hop, pardon, je vais réduire cette partie-là, et je vais prendre une dernière fois ma coche, je vais la coller quelque part par là, elle va arriver n'importe où, c'est logique, c'est du Wix. Non, c'est méchant ce que je dis. Et je vais reprendre, c'est aujourd'hui, pas demain, c'est aujourd'hui. Contrôle copier. Alors d'abord, je vais faire de grosses modifications dans la foulée, mais c'est parce que je vous ai dit qu'on s'inspirerait de ce qu'on a fait là, puis il y a des choses qu'on va modifier. Je suis un double titre. Toc, contrôle V. Je vais choisir, je vais redescendre en 14. Je vais mettre en noir profond. Et je vais descendre là. Et je vais réduire ça. Hop, j'étais un peu bas. Voilà. Alors là, on voit que je suis un peu trop à gauche, donc je vais me décaler, je vais remonter ça, enfin je vais essayer de faire des choses qui semblent à peu près similaires. Ouais, je suis pas si mal que ça. Là, je suis peut-être un petit peu bas par rapport à l'autre. Voilà, et là, je suis peut-être un petit peu bas aussi par rapport à celui du centre. Bon, voilà. Donc voilà, j'ai fait une page de capture. Je peux modifier des tas de choses dessus encore. Pour l'instant, elle existe. C'est déjà pas si mal. Maintenant, il faudrait que j'intègre mon formulaire. Et là, j'ai un problème, c'est que mon formulaire, il faut que je le mette ou par là, j'ai pas trop le choix. Donc, je vais déplacer un petit peu deux, trois éléments. Donc, je vais déplacer ce cartouche. Vous avez vu que comme j'ai intégré la totalité de mon texte dans ce cartouche, c'est la totalité du cartouche qui vient. Et je vais le réduire un tout petit poil pour pas qu'il bouffe trop ma photo. Voilà, donc j'ai mon cartouche. Bon, c'est pas forcément extrêmement joli, mais enfin, ce qu'on cherche aussi, c'est la performance, c'est-à-dire que cette page soit enrichie. Donc voilà, je suis en train de me dégager en fait gentiment de la place à gauche. Je savais que de toute façon, j'étais obligé de le faire, mais je l'ai fait comme ça, simplement pour vous faire voir la possibilité de s'approcher de cette page de capture qui était déjà faite. Alors, tous les textes qui sont mis m'ont pris pas loin de 4 heures. Je le dis parce que c'est important, le choix d'un texte a une grosse importance. Vous imaginez bien que si on met n'importe quoi, donc je vais aller mettre ça en bas. Le pied de page, ben, je ne vais pas l'utiliser, tout compte fait. Donc je vais gentiment aller mettre ça en bas. Et je vais aller descendre pour me mettre ça à côté. Être un style de vie, rien d'autre. Je vais voir si je peux modifier l'espacement des lignes dans une. Je ne sais pas si Wix le permet, donc on va aller voir. Parce que j'ai un espacement de ligne qui est quand même relativement important. Je vais donc aller voir ça tout de suite. Oui, il va le permettre ici. Donc je vais mettre 0,7. Voilà.
parce que sinon j'ai trop de place de perdu. Et là je vais faire pareil, modifier paramètres, merde, pardon, modifier texte, excusez-moi pour le mot m'a échappé, modifier texte, et je vais mettre ici 06. Je vais caler ça, voilà. Et il veut vraiment pas, sur celui-là, il veut rien savoir. Hein. Je le remonte et redescend à chaque fois, bon, sans aucune importance, puisque je vais pouvoir faire chevaucher les deux sans aucune difficulté. 06, et là j'ai dû mettre 07. Voilà, je vais mettre 06 aussi. Voilà. Et donc il me reste celui-là à mettre, et celui-là à mettre, je vais le mettre là. Et je vais le faire un tout petit peu différemment. C'est-à-dire qu'ici, je vais enlever ma coche, mon retour de ligne, et je vais le mettre comme ça. Voilà. Ça me déplaît, donc je vais le mettre ici, et je vais le descendre celui-là aussi. Et là, je vais peut-être même le grossir un poil, parce que c'est important de le grossir. Est-ce qu'il est bien en noir? Oui. Et je vais le... Voilà. C'est aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Et donc, il me reste un emplacement ici sur lequel je vais mettre mon formulaire. Alors, comment je vais intégrer mon formulaire? Je vais faire ajouter. Je vais ajouter une APPS. Et une APPS, je vais ajouter de l'HTML. Je recommence. J'étais un peu vite. Excusez-moi. Je vais rajouter une APPS, donc une application, en fait. Cette application, c'est pas réellement une application, ce sera du code HTML. Donc, je vais rajouter du code HTML. Et donc, je vais aller positionner cette partie-là ici. Je vais fermer. Et puis là, je vais ouvrir paramètres. Les paramètres, on va me dire, qu'est-ce que tu veux mettre dessus? Adresse de site ou code HTML? Je vais mettre du code HTML. Et là, il va me demander le code d'intégration. Alors, rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure. On a fait ici un formulaire et on a copié le script du formulaire ici. Vous vous souvenez de ça? Donc, je vais copier mon script de formulaire. Je vais aller de nouveau dans Wix, et ici je vais faire un CTRL-V pour coller mon texte de formulaire, mon script de formulaire. Je vais mettre à jour, et là je vois que mon formulaire arrive. Alors par contre, on voit aussi qu'il dépasse un peu à gauche à droite, donc on va caler pour faire disparaître les ascenseurs verticaux et les ascenseurs horizontaux. Donc je clique dessus et j'agrandis en fait cette iframe. C'est ce qu'on appelle une iframe, c'est-à-dire que j'ai encapsulé un site dans un autre site. Donc on voit qu'apparaît au fur et à mesure la totalité de mes choses. Tac. Je vais le remonter un peu parce que je ne veux pas qu'il descende quand même trop bas par rapport à ce que j'ai mis, sinon ça va me faire une espèce de déséquilibre de page. Voilà. Je clique à l'extérieur. J'ai donc aujourd'hui une page de capture qui ressemble, en tout cas dans l'esprit, elle ressemble à celle qu'on a faite. Donc on va l'enregistrer. On va l'appeler... On va l'appeler invitation. Enregistrer maintenant. On va faire un aperçu cette page. Donc là, on va laisser l'éditeur HTML travailler. Il est en train de compiler la totalité de ce que nous avons créé ce matin. Félicitations, votre travail est enregistré. Ok, il est content. On va faire aperçu. Et donc, on a notre page ici. Très bien. Retour à l'éditeur. Nous allons publier cette page. On va permettre au moteur de recherche de la référencer, mais j'ai pas mis de paramètres SEO, je m'en moque. Merci de patienter pendant la publication. Voilà, votre site est maintenant publié, sera visible en ligne dans quelques secondes à http://empower.wix.com invitation. Je vais cliquer là-dessus. En espérant qu'il soit mieux. Voilà. Donc j'ai bien ma page de capture. Si elle me déplaît, je pourrais toujours aller la modifier. Je vois qu'en même temps, je pourrais supprimer le pied de page ou mettre autre chose. Je ne savais pas exactement où j'allais aller atterrir tout à l'heure. Par contre, je vais tester. Je vais mettre petit tapon. C'est mon nom. Et je vais mettre comme pourriel poub. Je mets poub parce que poub, c'est mon adresse poubelle. Inscrivez-vous. Alors, ça va me déclencher quoi? Vous avez presque fini, un petit pas pour terminer, vérifiez votre courriel, très bien. Donc je vais aller dans mes courriels, qui sont ici, et je vais voir, alors ça c'était activer mon icône tout à l'heure, donc on s'en moque, je vais faire envoyer recevoir, je vais faire envoyer recevoir, et je vais attendre que
Cette petite demande de confirmation arrive, vous m'excuserez, mais ça, j'ai pas le choix, je suis obligé d'attendre, je suis en live, je vous rappelle. Elle ne devrait pas tarder, je suis à 95% de relevage du courrier. Je suis toujours à 95%. C'est-à-dire que j'espère quand même pour vous qu'on n'aura pas un plantage sur le relevé du courrier, parce que ça peut arriver. Ce serait un petit peu dommage. Donc on attend toujours. En attendant, de toute façon, on peut retourner ici, voir ce qui va se passer. Donc le witch maintenant c'est fini, hein. On fait OK, c'est terminé. On ne partage pas sur Facebook, on s'en moque. On ferme tout ça. On peut fermer ça, oui et non, parce que en fait, j'ai oublié de copier cette chose là. J'ai retourné dessus d'ailleurs, je vais la mettre en favori pour savoir où elle est. Donc j'ai un truc qui s'appelle RoboForm, je vais faire nouveau et invitation Wix, sauvegarder. Voilà, maintenant je peux fermer tout ça. Je sais où ma page de capture, quitter cette page, template, quitter cette page, ça. Je reste là-dessus, je retourne voir où se situe mon relevé de courrier. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop, hop. Alors, il est toujours pas arrivé. Je suis très très content. Donc, on va annuler ça. Et pardon, on va le refaire. Celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je sais plus où elle est virée d'ailleurs. Tant pour moi. Envoyer recevoir. Ah bon, bah écoutez, Outlook veut plus rien savoir. Envoyer recevoir tout, il veut plus rien savoir. J'aime bien. J'aime bien cette ambiance. Web formulaire. On va renvoyer notre invitation. Hop. Et je devrais l'avoir à un moment donné. En fait, il est en train de synchroniser les courriers, Outlook, ce qu'il nous faut à chaque fois le souk. C'est un véritable truc très très pénible, ça. Mais enfin bon, il a tellement d'autres qualités que je ne peux pas lui en vouloir. On va faire fichier quitter. Non, je ne vais pas le quitter tout de suite. Bon, je suis désolé de cette attente. C'est un peu le problème du direct. J'aurais pu prendre une adresse mail, une adresse Gmail, ça aurait été peut-être plus facile. Oui. Bon, je vais éteindre la vidéo. Simplement pour. Non pas que je veux vous cacher des choses, c'est que simplement je veux. Alors attendez. Annulé. Voilà. Et je vais rouvrir Outlook. Ce qui devrait peut-être me redonner la main sur mon courrier. C'est intéressant que nous voyons ce qui s'est passé parce que voilà, ça devrait y aller. Voilà, Philippe Spam. Voilà, vous venez de faire une demande d'abonnement à une liste d'inclusion gérée par le service d'inclusion et de réponse automatique de Guest Réponse. Vous pouvez émettre une confirmation en cliquant sur le lien. Donc c'est le texte que j'avais choisi tout à l'heure. Donc j'appuie sur le texte et je confirme. Oups, cette campagne a excédé le chiffre maximal d'abonnés. Merci de contacter le propriétaire de cette campagne. Alors là, je ne vais pas vous dire pourquoi ça fait ça, parce que j'ai pas de maxi d'abonnés. Mais pourquoi il me fait ça, j'en ai aucune idée. C'est très marrant. C'est très marrant parce que je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Invitation conférence. Chercher tout le monde n'est pas, boum, chercher. Voilà. Quand bien même il est excédé, vous voyez, je suis arrivé dans mon autorépondeur avec mon anti tapon poum adreschi.fr. D'accord? Voilà, fin de cette vidéo pour l'instant.